been looking for answers, something more. On a préparé le petit déjeuner. Il y en a un pour toi de croissant. Tu as mangé un croissant? On va chercher papa. Emma, réveillez papa. On va chercher papa. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Ouais, bravo. Et pourquoi tu as mis les télécommandes par terre? Ouais. Ouais. C'est qui les a mis là? C'est Eden. C'est pas un jeu, hein. Tu fais un bisou? Bisou papa? Oh, oui, merci, bravo. Le petit sauvage, fais un câlin papa. Un câlin papa. Oh. Un bisou. Oui. C'est bon le pain? Non, c'est pas un pain au chocolat, c'est bon le croissant? C'est bon mon bébé le croissant? Oui. C'est que tu préfères les pains au raisin, mais bon. Eden. Eden, tu peux sortir de là? Coucou. 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 Ah oui, tu l'aimes ton camion. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, tu l'aimes. Et Brutus? Et Brutus? On va s'habiller? On va s'habiller? Ouais? On va mettre le pantalon? Oui, on y va. Ouais, le pantalon comme maman. Ouais, on va mettre le pantalon. On y va. Bah oui, tu peux y aller. Ah oui, le pantalon comme papa. Mais le pantalon? Ouais. Allez, on s'habille. 1, 2, 3, hop là. Eden, qu'est-ce que t'as fait? Hein? T'as vidé le biberon? T'étais trempé, du coup maintenant t'as un pantalon, tu vas à la pêche au moule, avec des chaussettes rouges et noires rayées, avec ton ensemble. Tu ressembles à rien, mon fils. T'es ridicule. Oh, qu'est-ce qu'elle a dit maman? C'est pas gentil. Bah, c'est un peu vrai quand même. Tu parles autant ces chaussettes là? C'est pas l'étiquette vers l'extérieur. Ah ouais. T'as une dégaine. Heureusement que tu vas au bout de la rue. Wow. Je sais pas s'il marche bien avec ou pas. Avec quoi? Avec celui-là, parce qu'on dirait que, tu sais, qu'il est un peu serré, du coup il fait pas des pas dans le pantalon. Bah oui, il est trop petit. Non, j'allais le mettre dans les boîtes. C'est du 12 mois. Monsieur, il a 18 mois aujourd'hui. Donc ouais. En tout cas, ça l'éclate le bruit. Ça t'éclate? Toi, tu vas aller faire un tour? Ah ouais, t'as de l'énergie. Hein. Toi, tu vas aller faire un tour? Vas-y. Et maman, elle va ranger ça parce que c'est plus un parc, c'est un dépotoir.
Il a commencé aussi à nous foutre tout en l'air là-bas. On va ranger tout ça. Coucou! Je me suis dit qu'il serait peut-être temps de vous dire bonjour Facecam. Donc bienvenue en 2022. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Comme vous avez pu voir ce matin, nous c'est tranquillou. J'ai fait un peu de rangement, mais sinon c'est vraiment tranquille. C'est le 1er janvier. Très clairement, tout est fermé, c'est férié. Je pense qu'on va rester à la maison à se reposer. Là, bébé et papa sont partis jeter les verres. Donc c'est juste au bout de la rue, c'est pas très loin. Ça leur fait une petite promenade. En plus, il fait super beau aujourd'hui, on a de la chance. Et moi, j'ai rangé un peu, comme je vous disais, le parc et tout ça, parce qu'il nous en a mis partout de bon matin. Je me suis décalée un peu parce que je commençais à avoir le bras qui tremblotait. Et donc oui, ça c'est la tête que je compte avoir toute la journée. Puisque on va pas faire grand chose, on va vraiment se reposer. J'ai un peu mal à la gorge. Alors ça vient d'arriver, hein, tout à l'heure ça allait bien. Mais voilà, juste pour vous dire que cette année j'ai décidé de reprendre les vlogs, de faire quelques vidéos autres, comme par exemple les vidéos gaming que j'adore. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui les regardent, mais c'est pas grave, moi j'adore les faire, ça m'éclate, donc j'ai décidé de les faire. Et surtout beaucoup de vlogs. Donc principalement des vlogs à la maison, puisque la situation actuelle fait que les sorties sont très limitées, surtout quand on n'est pas vacciné. Nous on n'est pas encore vacciné. Donc bon, c'est un choix, après chacun son choix, mais du coup ouais, les sorties sont assez limitées. Mais je sais pas, j'avais envie de vlogger, puisqu'en fait quand je regarde les vlogs de l'année dernière, j'avais bien commencé. Et puis je me rends compte que sur la fin d'année, je tremblote encore, sur la fin d'année, il y en a beaucoup moins. Et du coup ça m'embête, parce que j'ai vraiment envie de filmer le quotidien, voir Eden grandir, etc. à travers les vidéos. Et là du coup il manque toute une partie. Donc évidemment on a des photos, on a des vidéos perso, mais c'est pas pareil en fait d'avoir une petite vidéo comme ça. Après on oublie ce qui s'est passé le reste de la journée, alors que dans les vlogs au moins on se souvient bien de tout quoi, dans le détail. Et ça je trouve ça génial. Donc voilà, cette année je pense que je vais faire plus de vlogs. Après je sais pas si ce sera des vlogs vraiment à la journée ou entre guillemets des wiki vlogs, donc toute la semaine. Mais voilà, je sais pas, j'y réfléchis encore, on verra, peut-être que j'alternerai entre les deux. Ah oui, et juste, j'espère que la qualité de la vidéo là sera bonne, puisque j'ai décidé de reprendre les vidéos ce matin, et que j'ai mis l'appareil photo en charge, et là je filme avec le téléphone, donc je sais pas ce que ça va donner, j'espère que le son, que tout sera bon, parce que là c'est vraiment juste avec le téléphone, voilà, on verra bien au montage ce que ça donne. Ah oui. Regarde-moi mon bébé, regarde papa. Ah. Non, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. On marche, hop, hop, on court. Ouais. En tout cas, voilà ce que ça donne une fois que c'est à peu près rangé. C'est déjà mieux que ce que c'était. Mais dans 5 minutes, ils vont revenir. Et dans 5 minutes, il va y en avoir partout. Ça va être instantané. T'aimes bien ton nouveau jeu, mon cœur? C'est la première fois que je le vois jouer avec. Oui, il m'a regardé et tout, hein. Il m'a vu. Il s'en fout, il fait son truc, il est sage. Bravo mon bébé. On a un bébé râleur qui veut pas aller à la sieste. Ce midi déjà, ça a été compliqué pour le faire manger. Il n'a pas voulu manger dans son assiette. Il a mangé dans les nôtres alors que c'était exactement la même chose. Je sais pas. En ce moment là, il a une période où il teste. Et il fait des caprices, etc. En plus, il est fatigué parce qu'avec les fêtes, il est un peu décalé. Mais là, on dirait qu'il veut pas aller faire la sieste.
D'ailleurs, il y a toujours une heure de décalage sur l'heure du babyphone. Donc voilà, pour l'instant, il est assis, il joue. S'il décide à faire la sieste, je vais essayer de faire la sieste aussi, parce que je suis crevée. Là, le papa joue, il m'a piqué la place sur la play, donc du coup, j'ai pas grand-chose à faire. Je me dis que je vais me reposer aussi. Mais encore faudrait-il qu'Eden se décide à dormir. C'est pas gagné. T'es qui? Tu fais de poisson? Tu fais poisson? Tu es trop mignon. Papi, 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 donne-moi. Ça là c'est pour qui? Pour Alex. C'est pas une grosse part. Celle-là.